Nous sommes le 17 juin 2023 et je suis présentement en compagnie de Yoé, beatmaker tendance trip-hop qui m'accorde un peu de son temps pour balance la sauce avant son concert au timbré posté à La Bazeuge. Salut Yoé, comment ça va ? Salut, bah ça va super bien. Je suis très heureux de te recevoir et merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Merci à toi. C'est super cool, alors tu as commencé comme saxophoniste et maintenant tu es beatmaker. Comment es-tu arrivée à la musique électronique ? Oui, alors en fait c'est très simple, j'ai fait du conservatoire pendant 8 ans effectivement, mais ça m'a pas plu plus que ça, un petit peu trop rigide, un petit peu trop scolaire. Du coup je suis sortie de là en touchant à plein d'instruments, guitare, youku, machin, en mode un peu autodidacte. Ouais. Ça m'a beaucoup plus plu. Ouais. Et puis il faut savoir que je suis une grosse geek, donc au bout d'un moment, si tu veux, les deux univers se sont un peu entremêlés. Mais j'ai testé un premier logiciel où j'ai fait du son dessus, puis voilà, en fait, tout ce que j'écoutais un petit peu depuis des années, trip-hop, un peu beatmaker, un peu style abstract hip-hop, même un petit peu de trap, tu vois, genre, qui sont arrivés. Du coup, j'ai fait un petit peu le tour, et je pense qu'au moment où je me suis plongée dans la compo, bah, tout ça est ressorti, quoi. Donc le mélange un petit peu de tout ce que j'écoutais et de tout ce que je faisais depuis quelques années, quoi, simplement. Tu joues d'autres instruments, donc tu fais quoi comme instrument ? Je joue, c'est peut-être un bien gros mot, disons que je touche et que je m'amuse avec un peu de tout. J'ai touché un peu de tout, mais c'est vrai que je joue particulièrement un peu plus de la guitare, du coup des instruments à cordes en fait. Bon là, ouais. Clavier parce que bah MAO, donc forcément je passe par là, mais j'ai fait un peu de percu, donc j'ai aimé beaucoup le hang, j'ai aimé le didgeridoo, j'ai été en Inde, donc du coup j'ai touché un petit peu les tablas, tu vois, des trucs comme ça. T'étais en Inde ? Oui. Voilà, et du coup, c'est vrai que musicalement, j'ai bien aimé grappiller un petit peu partout, sans forcément performer dans l'instrument, ouais. Mais juste parce que bah, je m'amuse comme ça, un peu instinctivement avec les instruments, et que du coup, quand j'ai pu les enregistrer ou avoir l'impression de jouer avec plein d'autres instruments, si tu veux, sur mon logiciel, forcément, c'était genre Noël, quoi. Comment tu décrirais ton univers, ta musique, si tu devais décrire Yoé en quelques mots ou en plus ? Ouais, bah en quelques mots, je dirais plutôt introspectif et plutôt voyage, quoi. Enfin, un petit peu méditatif. En tout cas, c'est tranquille, quoi. C'est plutôt un mode posé. C'est soit de l'électro chill, c'est soit du trip hop chill. Même le hip hop est chill. Enfin, genre, je suis vraiment pas énervée, quoi, dans ma musique, je pense. Musique ethnique, j'ai vu dans oui. dans ta bio et tout ça. Qu'est-ce que c'est un peu la musique ethnique ? En gros, j'écoute beaucoup de lyriques ethniques, donc enfin des voix, que ce soit, il y a de tout, indienne, bulgare, et puis beaucoup d'instruments aussi. Je pourrais pas te dire tous les noms parce qu'en plus je suis un peu une profanatrice, hein, parce que j'y vais en mode vraiment enfant, quoi, là-dedans. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que j'écoute beaucoup. Je sais pas si tu connais Yom. Bah alors voilà, c'est tout à fait le style. Alors c'est pas forcément ethnique, mais tu vois, il fait de la clarinette et c'est vrai qu'il a un style un petit peu comme ça. Des fois, il y a des notes un peu orientales, un petit peu orientales. Bon, je vais m'arrêter là parce que je connais pas plus que ça, mais je touche un petit peu à des styles comme ça quand j'écoute un peu de musique du monde ou qui sortent un petit peu de la musique classique traditionnelle qu'on peut écouter. Et donc je pense que du coup, dans mes prods, je vais aller un peu chercher, tu sais, ces sonorités un peu exotique. Un peu d'ailleurs. Voilà, c'est ça, un petit peu d'ailleurs. Je suis revenue en Inde, j'ai eu de la chance avec beaucoup d'enregistrements, du coup. Ouais. Et donc, de temps en temps, ça m'arrive d'utiliser un petit peu des textures, des ambiances, et puis quelques instrus que j'ai pu par-ci par-là récupérer. Et donc, voilà. T'étais parti en Inde en mode prod pour... Pas du tout. À l'époque, je faisais du montage vidéo. Ouais. Et on bossait avec une association et on est parti là-bas. On devait faire un documentaire en ethnomusicologie. Ouais. Et bon, en gros, on avait la caméra, ils avaient l'enregistrement du son. Ouais. Et du coup, on est parti voilà un mois et demi histoire de. On a fait un petit peu le tour, on a suivi, tu vois, des gens qui faisaient des festivals et tout là-bas. Genre, c'était vraiment cool, c'était très, très cool. On a enregistré plein de matières, on est revenu avec plein de matières, c'était vraiment cool. On va écouter un premier morceau qui s'appelle Aed, yep. qui est tiré de ton dernier EP, pour oui, le coup, qui s'appelle Odyssée. Qu'est-ce oui, que tu peux nous dire un petit peu sur ce morceau ? Alors, Aed, c'est un petit peu un hommage au conte chantant, c'est un peu le mode troubadour, tu vois. Ouais. Genre, et du coup, c'est vrai que je collabore avec une chanteuse depuis mes débuts, qui s'appelle Italia Waltz.
Et bah, du coup, j'ai plein de rushs à elle, de voix et tout. Et souvent, bah, je m'amuse avec, je les découpe et tout. Et puis, bah, voilà, ça a donné simplement à Ed à un moment donné. Et du coup, ça collait parfaitement avec bah, ce que je voulais faire sur Odyssée. C'est vraiment une espèce de petit tour comme ça, de, un petit hommage, si tu veux, à la terre-mère, à la Pacha, genre avec des petits sons comme ça. Tu vois, genre Bentik, c'est plutôt les fonds marins. Quasar, on est plutôt dans l'espace. Et à Ed, on est plutôt dans le conte chanté qui va faire un petit peu le tour comme ça et qui va aller raconter un petit peu des histoires et tout ça. Voilà. Super chouette. On écoute ça tout de suite dans Balance la sauce. C'est Aed de Yoé et c'est tout de suite. On se retrouve avec Yoé. Yoé, quelles sont tes sources d'inspiration? Qu'est-ce qui te nourrit pour créer de la musique? Bah, je pense que comme beaucoup de musiciens, finalement, c'est d'abord ce qu'on vit. Mm-hmm. Je pense que c'est pas forcément conscient, mais pardon. Mais c'est d'abord ce qu'on vit. Donc dès que je vais en voyage, dès que je sors et tout, je sens que tu vois la vague d'inspiration derrière est carrément cool. Et puis moi je suis beaucoup image, donc en fait bah je joue beaucoup à des jeux vidéo. Ouais. Donc je pense que j'ai aussi il y a aussi un espèce de grain comme ça genre qui vient, que ce soit un peu musical image sans trop prétendre que c'est ce que je fais, mais on sent quand même une petite inspi cette petite inspi quoi. Donc il y a ça et puis bah les collaborations et puis surtout les mecs que j'écoute depuis des années quoi. D'accord. Voilà, ça va être Ours en plus, Senbei, Monica, voilà des
Et pour moi, c'est, voilà. Il y en a plein, hein. Franchement, je pourrais t'en citer plein. Hugo Kant, Jean du Voyage, enfin, toute une liste de gens comme ça que j'écoute depuis des années et qui font des trucs incroyables et qui m'inspirent. Et c'est eux qui m'ont vraiment donné mon envie, en fait, ouais. De faire des choses sur des pattes, de toucher comme ça, tu vois, d'appuyer sur mes petits boutons, quoi. Bah, tu parles de petits boutons, justement. Comment est-ce que tu composes? Quel équipement est-ce que tu utilises pour composer? Alors moi, j'ai fait ça au début comme une enfant, hein. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pris un tout petit clavier, j'ai testé des choses, ça me plaisait, et du coup, je suis partie sur la MK2 de ouais. chez Machine. Et bah là, c'était la révolution, quoi, parce que du coup, je pouvais avoir plein d'instruments que je voulais, les configurer comme je voulais, puis jouer avec les voix. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les voix, les triturer, les couper, tout ça. Hein. Et donc, voilà, sur ma machine, c'était cool. Et maintenant, j'ai la MK3, du coup. Ouais. Donc, je bosse clavier essentiellement, enfin, c'est un petit synthé, quoi, ouais. et puis bah, mes machines, quoi, principalement. Et des fois, j'enregistre quelques instruments que je peux jouer. Je vois, sur Odyssey, il y a du sax que je joue, il y a du ukulélé et de la guitare. C'est toi qui joues le sax? Ouais, c'est moi qui joue le sax. Ah, tu joues du saxophone aussi? Oui, bah du coup, oui. Bah oui, c'est vrai que tu es saxophoniste oui, à la base. Oui, c'est vrai que de temps en temps, j'exploite un petit peu parce que c'est vrai que j'aime bien ça. J'adore ça. Voilà. Tu as joué pendant longtemps du saxophone? 8 ans. 8 ans, ah oui, ouais, tu as un bon niveau de saxophone. Bah on perd quand même un petit peu avec les années, hein, mais de toute façon, plus j'ai jamais été dans la performance d'instrument. C'est pas du tout mon truc. Hein. Moi, je code vraiment la musique, quoi. Tu as sorti 3 EP, Réminiscence en octobre 2016, Fractalement Vôtre en décembre 2016, puis Primary en février 2019, puis tu as sorti un album en 2020, Postmortem, et un nouvel EP en 2021, Odyssée. Comment a évolué ta manière de travailler et de produire au fil du temps? Oui, bah alors c'est vrai qu'au début, c'était vraiment pour s'amuser. Vraiment, là, tu cites Réminiscence, Fractalement Vôtre, Primary, et puis Postmortem. Ouais. J'étais pas du tout dans un mood professionnel, mais alors vraiment pas du tout. Enfin, ça s'est fait vraiment progressivement avec les proches qui disent de poster, tout ça, machin. Et puis arrive Odyssée. Un label me contacte et puis du coup, on décide de travailler ensemble. Et là, c'est devenu un petit peu plus sérieux. J'ai adoré ça. J'ai adoré travailler avec une équipe. Enfin, en plus, ils sont vraiment. Le label est génial. Les gens qui y travaillent, ils sont vraiment géniaux. Donc, du coup, on peut citer le label? Oui, c'est Weta Records. Weta Records. Weta Records. Et c'est Flo, d'ailleurs, un des directeurs du label qui m'a contacté, avec qui, d'ailleurs, je suis toujours en très bon contact. Et en fait, voilà, c'est devenu vraiment un peu plus sérieux et j'ai eu envie de faire mieux, de faire plus pro, de faire mieux, de faire plus abouti. Et donc là, ça fait à peu près depuis le mois de janvier que j'ai arrêté un petit peu de sortir des sons et je me suis mise à travailler pour augmenter ma technique, augmenter beaucoup de choses, que ce soit en termes de composition, que ce soit en termes de mixage et post-prod, quoi. Ouais. Tout y quanti. C'est toi qui fais tout de A à Z sur tes projets, le mixage, Alors, le mastering? Non, sur Odyssée, c'est la composition, c'est moi. Le mixage, c'est Mathieu, un gestion du label. D'accord. Le mastering, c'est une boîte, genre, on me pardonnerait, j'ai plus le nom, mais avec qui bosse, qui voilà, travaille excellent. Ouais. Mais c'est bien d'être autonome quand on est solo comme ça et ouais. que voilà, donc j'ai besoin de l'être, donc je fais en sorte de l'être, voilà, simplement. Et aussi dans Odyssée, il y a pas mal de tracks avec lesquels tu as collaboré avec pas mal d'artistes. En fait, deux tracks. Ouais, juste Aide avec Italia Waltz et oui. puis le feat avec justement Flo, un des directeurs là du label. Ouais. Donc c'est Woogie, son nom de scène. Ouais. Et donc lui, il a scratché sur un morceau et enfin, c'est trop bien. C'était vraiment le petit plus qu'il fallait. Ça donne beaucoup d'élégance au morceau et du coup j'ai fait une compo, il m'a dit vas-y, je suis chaud pour tester un scratch et tout. Il m'a envoyé sa piste et puis finalement, franchement, elle s'est calée super bien. J'ai eu à changer 2-3 petites choses et franchement, ça collait super bien. Donc voilà, en gros, ça s'est fait comme ça les collaborations. Tu aimes les collaborations? J'adore ça. C'est vraiment ce qui me pousse, un des trucs qui me pousse le plus, c'est vraiment ça. C'est le travail de. Que ce soit en réel ou en différé, peu importe. C'est ouais. C'est vraiment ça donne vraiment un suivi, un plus à ton travail et. Et en plus, ça croise des mondes, c'est musicalement, c'est vraiment très, très enrichissant, quoi. Si tu devais établir un plan d'action, tes projets à venir pour les mois qui arrivent, en fait, c'est quoi tes plans pour... Bah déjà, continuer à améliorer ma technique, là, je suis vraiment à fond là-dessus. C'est-à-dire que je veux ouais. vraiment finir de passer un cap avéré, que ce soit musicalement ou en post-prod. Et puis ouais, y a des petites collabs qui sont prévues déjà, donc on va voir. Il y a des projets qui sont en cours, donc j'espère qu'ils vont aboutir. Ouais. Et puis voilà, pour l'instant, je trouve que c'est déjà pas mal, parce que ça se fait quand même beaucoup de travail quand on a une collab avec une personne, puis une autre, puis un projet perso, puis
ton travail personnel pour augmenter la technique et tout. Moi, j'ai vraiment... j'ai besoin d'exigence et je me pousse, mais j'ai besoin d'un équilibre. J'essaye vraiment de maintenir mon bien-être entre, justement, être surchargé, c'est pas du tout dans ma philosophie, quoi. D'accord. Tu nous disais que tu as fait une collab avec du scratch sur ton dernier album. Mmh. C'était le titre Quasar. Quasar, tout à c'est fait. C'est ça? Oui. Et ben c'est justement celui qu'on va écouter pour clore cette interview. Merci beaucoup, Yoé. Merci à toi. Merci à toi vraiment de l'invitation. Je rappelle qu'on est au timbré posté à la Baseuge. Trop et bien. Tu vas jouer ce soir. Ouais, c'est ça. Avec Andomark et Trifouille. C'est incroyable. Ouais, c'est super chouette. C'est super chouette. Le lieu est génial, les gens sont géniaux. Enfin, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. C'est super chouette, parce qu'en plus, tu viens pas. Tu viens, t'as fait un petit bout de route. Oui, un petit bout de route, ouais, mais ça vaut tellement le coup. Venez, franchement, c'est vraiment. Et le lieu est incroyable, les gens sont incroyables, je le redis, hein, je me répète, mais c'est vraiment chouette. Ça va être cool. Merci, Yoé. Bien, merci à toi encore. On se quitte avec Quasar de Yoé dans Balance la Sauce, et c'est tout de suite.